Je pense qu'il y a différents niveaux à la conversation, notamment est-ce qu'on parle de racisme interpersonnel, entre deux personnes et les interactions, ou est-ce qu'on parle de racisme institutionnel, de racisme systémique, quand il s'agit d'avoir affaire à des institutions, à l'école ou à la police. Parce qu'on peut être noir ou métis et avoir des papiers ou ne pas en avoir. On peut être noir ou métis et avoir un nom, un prénom, à consonance étrangère ou pas. On peut avoir un accent ou pas. Et tout ça va aussi avoir un impact sur la manière dont le racisme va nous toucher, nous affecter à titre personnel. Donc je peux pas répondre à cette question, en fait. Mais je suis obligée de reconnaître que moi, en tant que personne métisse, et le type de métissage que j'ai, le type de circonstances qui m'ont vu naître, ont fait que j'ai énormément de privilèges sur d'autres personnes noires. Je peux plus facilement, on va dire, trouver des moyens de m'en sortir dans certaines situations du fait d'être métisse. Pour pouvoir vraiment parler de ça, il faut aussi qu'on parle de colorisme et du fait que je suis métisse et que j'ai la peau plutôt claire. Je pense que le problème, il est aussi dû au fait qu'on confond souvent. On part du principe que quand on est métisse, ça veut dire qu'on a forcément un parent blanc, ce qui est certainement pas le cas en fait. Là, moi, quand je dis métisse, je parle en particulier, spécifiquement, des personnes qui ont deux parents, on va dire, d'origines différentes, de cultures, de continents différents, où il y a vraiment on va dire une dynamique de pouvoir très marquée entre ces deux origines-là. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, il se trouve que j'ai un parent blanc et un parent noir. J'ai un parent européen né en Europe et j'ai un parent africain né en Afrique. Et donc, pour moi, ça veut dire ça, mon métissage. Mais pour d'autres personnes, ça va être, par exemple, le fait d'avoir deux parents métis. Donc voilà, il y a toute la problématique du vocabulaire autour. Mais en tout cas, moi, quand je parle de métis, quand je parle de moi, c'est de quelque chose de spécifique, c'est que j'ai un parent blanc et j'ai un parent noir. De ce que j'appelle le cul entre deux chaises, je pense que c'est quelque chose que je peux partager avec beaucoup d'autres types de personnes, particulièrement avec le métissage, c'est le fait d'avoir en effet. Bah, peut-être dans son foyer, quand on a deux parents de cultures différentes ou deux parents d'histoires différentes, d'origines différentes, on a affaire peut-être à un mélange qui a lieu dans le milieu familial. Donc du coup, ça peut complexifier les choses, mais je pense que c'est pas forcément spécifique aux personnes métisses. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont habituées à avoir le cul entre deux chaises, le cul, même la langue entre deux langues, en fait, même. Je pense qu'il y a c'est une sorte de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de soupe ou de bouillie culturelle avec la mondialisation qui fait qu'avec aussi des déplacements, on peut avoir des parents de nationalité française, mais issus d'un autre continent, qui vivent en France, mais qui ont leur culture d'origine qui est de fait mélangée avec celle de la France et donc du coup l'enfant va bénéficier probablement des deux cultures. On peut avoir plein de cas différents au final où il y a toujours cette histoire de cul entre deux chaises où on doit trouver un équilibre nous entre différentes cultures avec lesquelles on a été éduqué ou pas, des cultures avec lesquelles on a renoué ou pas. Je pense que c'est voilà, c'est des conversations qui sont très compliquées et je pense que la seule manière de ne pas essentialiser le discours, c'est en fait d'envisager tellement de cas différents et d'essayer de trouver même des liens avec des cas qui ne sont pas dans le cadre de la conversation. Là, on parle par exemple métis. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de points communs que je pouvais avoir du point de vue de ce que je pensais être spécifique à mon métissage. En fait, j'ai vu que je partageais ça avec d'autres personnes qui ont différents parcours. Donc, je pense qu'on ne peut pas forcément essentialiser ça. C'est vrai que c'est curieux parce que du coup, en plus, par culture métissée, en fait, ce que je trouve intéressant quand on est métisse, c'est qu'on a un endroit privilégié aussi pour les projections de toutes parts, de tous les groupes, de différents types de groupes, en tout cas de personnes non métisses, et qui essentialisent très facilement ce que c'est d'être métisse. Et comme disait Jade Almeida dans la vidéo sur Radio Néo-Québec, La question, est-ce qu'on peut mettre fin au racisme en mettant l'accent sur ces fameux enfants métis et sur les couples interraciaux?
Et tu me connais, moi, Cyril, lorsque je fais une chronique sur une question, généralement, c'est parce que j'ai déjà ma Il y propre a, tu as ta réponse. position, tu as tes questions, tu as Ma tes... position est claire, nette et précise. Non. Non, les enfants mixtes et les couples interraciaux ne sont pas la solution au racisme. Et même lorsqu'on va, comme je vais le faire avec ma chronique, commencer à un peu gratter sur qu'est-ce que ça sous-entend cette question, pourquoi on a ces partages d'images et cette vision utopique de l'avenir qui va mettre fin au racisme, c'est l'amour. L'amour qui crée les ponts entre les différences. Pourquoi est-ce que c'est cette image-là qui revient comme la solution miracle? Donc je me suis dit, tiens, on va les gratter, on va jouer aux poupées russes. Que quand on pense métisse, on pense la personne qui se situe parfaitement au milieu, vraiment, de deux cultures, de deux standards de beauté, de deux continents. Il y a une sorte vraiment d'essentialisation ultime, quoi, de ce que c'est que d'être métisse. Et donc, du coup, en plus, comme on pense tout le temps que métisse, ça veut dire noir-blanc, donc du coup, il y a vraiment ce truc au milieu. Et moi, j'en suis, je pense, un bon exemple, parce qu'il y a vraiment ce côté-là où je suis noire, mais pas trop. J'ai l'impression d'avoir été, d'une certaine manière, d'avoir incarné une certaine image essentialisée, en fait, de la métisse, ou des métisses en général. Et en fait, quand on sait qu'en vérité, le métissage, ça ressemble pas que à ça, et qu'on rencontre plein d'autres personnes métisses, et qu'on voit en fait la complexité des histoires et des profils, et même la diversité dans les physiques, on se rend compte à quel point, en fait, il y a aussi des choses qu'on projette de ce qu'on va prendre de chaque culture, de ce qu'on va prendre de chaque parent, par exemple. En héritage, je sais pas, génétique ou en héritage culturel ou familial, etc. C'est le fait que j'ai un parent blanc et un parent noir. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit le côté blanc de ma famille où j'ai pris, par exemple, toute une partie de ma culture qui était très rock, métal, la science-fiction. Alors qu'en fait, c'est totalement du côté de ma mère noire, camerounaise, née au Cameroun, vivant en France maintenant. Qui m'a transmis ce côté-là, et donc du coup tout le monde pensait, ou il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un héritage que je pouvais avoir du côté blanc de ma famille, et ça en disait plus en fait sur les gens qui pensaient ça que sur la réalité au final. Et je pense que ça, en tout cas, m'a mis à un endroit assez privilégié pour comprendre comment fonctionnait le racisme en tout cas. Moi, je me considère métisse, je me considère noire, je me considère afrodescendante. Je suis pas mal à l'aise avec les étiquettes. Je pourrais faire sans et en même temps, j'ai aucun problème à me dire noire ou métisse. En tout cas, je me sens, on va dire, je pense, je pourrais dire noire politiquement parce que je sais qu'il y a un problème de négrophobie spécifique qu'il faut traiter et je me sens directement concernée par ça. Et je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui veuillent pas me considérer comme noire étant métisse. Au début, ça me vexait vraiment beaucoup. Et en même temps, j'ai rien à prouver, j'ai pas envie d'être dans une performance de négritude auprès de quiconque. Je pense que je me sens assez flexible avec les étiquettes, je me sens assez flexible en tout cas avec mes identités, je me sens pas enfermée dans une quelconque identité et je pense que c'est assez fluide. Au final, je pense que c'est aussi. Ça dépend en fait du contexte qui va révéler tel ou tel aspect de mon identité. Je pense qu'il y a des contextes où, moi dans lesquels j'ai été très minoritaire, même étant métisse, j'étais dans des environnements qui étaient très blancs, donc du coup je me suis sentie très noire. Mais quand je fréquente des endroits qui sont très très noirs, bah, je me sens peut-être moins noire. C'est pour ça que je parle beaucoup de toile en fait. Il y a ce côté très. Qui garde une forme, mais en même temps qui est assez élastique en fait. Il y a ce côté. La forme reste là, le système reste là, mais par contre, il y a des intersections qui changent de place. Il y a des rapports voilà, différents, des tensions différentes qui se font. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de famille mixte, c'est encore une façon qu'on a en France de pas dire la race. Parce que quand on dit mixte, on veut dire mixte, enfin, vous voyez, mélangé, vous voyez quoi. Mais il y a vraiment une famille racialement mixte. Un parent blanc et un parent racisé différent de blanc. Un parent dans la norme et un parent qui ne fait pas partie de la norme. Moi, pour moi, en tout cas, ça a été une expérience très difficile. Ça a été très compliqué, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y a toujours cette histoire, oui, de peut-être de tiraillement. Moi, je me suis sentie tiraillée à différents âges. Mais c'est surtout,
En fait, c'est surtout parce que le monde est, parce que le monde est raciste, en fait. C'est pas l'essentialisation, le fait d'être métisse qui me rend comme ça, c'est le fait que j'ai vu de l'intérieur de ma famille comment le monde recevait différemment mon père qui était un homme blanc et ma mère qui était une femme noire. J'ai vu comment ils interagissaient avec les institutions, avec l'école, avec la police, avec le secteur de la santé, avec tout ça. Et je pense que c'est pour ça que je suis afroféministe au final. C'est parce que j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de spécifique dans cette intersection. En tout cas, moi, j'avais eu assez d'occurrences et assez de. Dans mon entourage et dans mon histoire personnelle, mais aussi, je pense, dans bah, maintenant toutes les statistiques et les études qui sont faites sur le sujet, je me suis rendu compte vraiment que ce monde était misogyne et était négrophobe et misogynoiriste et plus encore. Et je pense que voilà, ça a été ça mon expérience dans une famille mixte. Je pense que c'est le résultat un peu. Dans l'expérience d'une famille mixte, comme c'est mon cas, c'est-à-dire d'avoir un père blanc et une mère noire, le type aussi d'origine socio-économique dont ils viennent, les différents parcours qu'ils ont faits, qu'ils ont eus, et l'asymétrie totale qu'il y a, en fait, du point de vue des privilèges, des expériences de vie, de la violence aussi, des types de violences interpersonnelles, intrafamiliale et depuis l'extérieur de la cellule familiale et notamment l'institution judiciaire aussi par rapport au fait d'avoir aussi connu un divorce dans ma famille qui m'a rendu assez sensible à ça. Pas sensible juste me mettre à pleurer mais juste au moins comprendre et commencer à voir comment ça s'articule, comment ça se passe et comment ça se met en place, comment on crée un contexte qui favorise certains types de discours très dominants, certains types de discours masculins, masculin et blanc dominants et en fait tout ce que j'entendais de la société en fait je l'entendais aussi depuis l'intérieur de la famille car j'ai la majorité de ma famille qui est blanche au final à une époque en tout cas. Parce que aussi la notion de famille, c'est aussi quelque chose de mouvant hein, pour moi. Une famille mixte, voilà quoi, c'est compliqué. Pour contrer toujours cette idée d'avoir le métissage comme parfaite équilibre ou balance entre deux extrêmes. Ou en tout cas nier une certaine diversité dans les métissages. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple d'avoir rencontré déjà aussi souvent dans ma vie des personnes qui me ressemblaient physiquement beaucoup plus que mes propres sœurs. Et de voir que moi, bah, dans ma famille, j'ai de la chance d'avoir l'immense chance d'avoir deux sœurs. Et on ne se ressemble absolument pas toutes les trois. Et l'une d'entre elles est métisse et on a des caractéristiques physiques et de caractère qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et on a aussi été différemment reçus dans le monde, dépendamment de certains, pareil, certaines spécificités qui n'ont rien à voir avec le fait d'être métisse. Je pense que le fait d'avoir eu des sœurs, ça m'a aussi permis d'apprendre beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a fait comprendre. Le colorisme, comme je disais, trois sœurs avec trois couleurs de peau différentes, trois natures de cheveux différentes, trois types physiques et corpulences complètement différentes. Je prétends pas avoir tout compris, mais je pense que j'ai vite capté qu'il y avait quelque chose par rapport à ça et la concurrence qu'il pouvait y avoir aussi entre des sœurs sur une scène romantique, voilà, entre certains traits de physique. Parce qu'il y a des jolies métisses, il y a des métisses moins jolies, il y a un certain type de métisses qu'on apprécie, quoi. On n'est pas toutes Mélissa, métisse d'Ibiza au sein pointu, en fait. Hein. Ça dépend toujours dans quel contexte on s'inscrit, mais en tout cas, dans un contexte français et blanc, ça a voulu dire beaucoup de choses différentes, et on n'était pas reçus de la même manière, on n'était pas vus de la même manière dans le regard des hommes, que ce soit des hommes blancs ou des hommes non blancs. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui montre à quel point on projette des choses différentes. Et comment en fait toute cette histoire de race est vraiment quelque chose qui existe dans l'esprit de l'autre en fait, tellement que
Moi, je me suis vue renvoyer à des territoires tellement différents, de la République dominicaine à Cuba, en passant par le Brésil et Madagascar, la Réunion, l'île Maurice, l'Inde, le Pakistan, le Maghreb. Enfin, quand je ne dis rien sur mes origines, les gens veulent jouer et veulent projeter sur moi des choses, et au final, j'ai tout entendu, et ça m'en révèle juste plus ce que la personne projette sur moi et donc sur ses fantasmes. Et c'est assez terrible et c'est assez désespérant en fait. Et donc, en tout cas, moi, ça m'a vite fait comprendre que j'y pouvais rien en fait, de la manière, quel que soit mon comportement, quels que soient les choix que je fais, que ce soit des choix esthétiques, mon style vestimentaire, ma façon de parler ou quoi que ce soit, bah, en fait, ça n'est pas dans mon pouvoir de changer ce qui existe dans l'esprit de l'autre. Et ça m'est déjà arrivé de le même le dire aux personnes et de les interrompre. En fait, tout ce qui va sortir de ta bouche, ça vient juste de ta tête. Et moi, ça m'intéresse pas parce que ça n'a rien à voir avec ma vie ou ma réalité. Et je suis partie. Et je pense que maintenant, ça a été assez efficace et je pense que je vais faire ça maintenant. Dans ma vie personnelle, je peux pas voir ça comme étant négatif, je peux pas voir ça comme... Et en même temps, je suis obligée de reconnaître que le fait d'avoir un parent français blanc, ça confère des avantages. Le fait que ce soit mon père, c'est qu'il m'a aussi transmis son nom de famille. Donc du coup, ça rend aussi les choses plus facile du point de vue de la manière dont j'ai vécu le racisme. Cette double situation qui fait que quand je parle avec mon père, bah en fait lui il sait pas de quoi je parle. Enfin, je suis une militante afro-féministe, mais en fait il voit ni le sexisme ni le racisme comme la plupart des personnes qui ont son histoire, son profil ou des expériences communes, qui ont grandi dans l'universalisme blanc au final, et qui sont pas forcément au fait du fonctionnement, des oppressions, des discriminations dans les faits. Et quand je parle de travail avec mon père, quand je parle de plein de choses avec lui, il comprend pas de quoi je parle parce que il ne me croit pas toujours en fait. Voilà, j'exagère. Mais c'est pas que le travail, hein, c'est dans plein de types de domaines. Bah, en tant que, je pense, personne racisée négativement par la société, dans la société actuelle, on apprend à être très observateur, on n'arrête pas de nous dire qu'on est paranoïaque, mais en même temps, on sait qu'on est observateur parce qu'on doit s'adapter, on doit apprendre à s'adapter dans des contextes, à toujours, quand on veut en tout cas survivre en contexte très minoritaire, ce qui a été mon cas, il a fallu que je m'adapte. Et donc, du coup, bah, on capte la manière dont les gens nous voient, nous envisagent. Et moi, je voyais très souvent que quand je sors avec mon père, par exemple, les gens pensent que je suis en couple avec lui ou je suis sa conjointe. Parce que les gens voient un homme blanc d'une soixantaine d'années avec une femme métisse, en tout cas, quelque chose là. D'une trentaine d'années, voilà, ça paraît dans l'imaginaire français, l'imaginaire colonial français, dans le continuum colonial, bah ça choque pas, ça choque moins le fait que je puisse être sa fille plutôt que sa conjointe. Alors que quand je suis avec ma mère, qui est une femme noire, qui est absolument pas, en tout cas, qui ne, dans cet imaginaire-là, qui ne pourrait pas être métisse, les gens se disent, ah, c'est une mère noire avec des filles métisses, bon, et le regard qui est porté sur elle, en tant que femme noire qui a probablement fait des enfants avec un homme blanc, voilà, c'est plus dans cette manière-là. C'est pas systématique et tout, je dis pas que c'est toute la vie 24 heures sur 24, mais c'est comme, voilà, on parle des choses qui ont un petit peu construit ce regard-là sur ce vécu de la race en France. Ayant eu des parents divorcés, une famille séparée, où je passe du temps avec ma mère et je passe du temps avec mon père séparément. Bah, c'est aussi intéressant de voir comment ça fonctionne. De la fin. Un mot de la fin? Carte pleine. Ok. Ça tourne ici toujours, ici ou pas? Yes. Alors, le mot de la fin, j'ai envie de dire, arrêtez d'instrumentaliser les personnes métisses pour nous vendre une version fantasmée de la France qui n'existe pas. Pas encore, en tout cas, qu'on pourrait construire ensemble si on arrêtait de faire semblant de ne pas voir les problèmes. Et quand on parle de métissage, on parle de race.
Donc, au final, se renseigner sur le racisme, c'est se renseigner aussi sur l'origine des mots. Je sais qu'il paraît plus cool parce qu'il y a une idéologie qui essaie de nous la vendre comme étant quelque chose de progressiste, mais si on étudie l'histoire du métissage, surtout le métissage, dans mon cas de figure, c'est-à-dire blanc et noir, en tout cas européen et africain, que ce soit partout dans les Outre-mer et les colonies départementalisées, l'histoire du métissage est une histoire violente, une histoire de violence sexuelle terrible. Donc soyons un petit peu réalistes, mettons ça en perspective et arrêtons de dire que de ne parler que de la moitié la plus glorieuse des concepts. Voilà, merci, à bientôt dans ma toile. Interview métissage prise 4. Ok, on a bien fait saturer le zoom, on est bien. Ah ouais?